retour des vidéos de Noël, c'est vraiment celle que je préfère faire sur ma chaîne. Donc bonjour à tous, je suis vraiment super heureuse de vous retrouver pour la première vidéo de Noël 2017. Je viens à l'instant de faire le sapin dans ma chambre qui n'est pas fini, vous allez voir tout à l'heure pourquoi. Voilà, pour être dans le thème, dans l'ambiance, j'ai sorti le pull, mon petit calendrier de l'Avent, mon mug. Et bah c'est parti, on va commencer avec la première vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve avec une sorte de haul, vous montrer toutes les choses que vous devez acheter pour passer un bon mois de décembre et être vraiment dans l'ambiance de Noël, donc j'espère vraiment que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos parce qu'il y en a plein de Noël qui vont arriver. Du coup il y a vraiment plein de choses, bougies, décorations de sapin, calendrier de l'Avent, produits, mugs, chaussons, ça va être long je pense. Donc je vais commencer tout de suite, on va commencer à parler bougies. Là, je pense que c'est la période où on allume tous nos bougies, on a les odeurs de Noël, enfin vraiment tout ce que j'aime. Moi, celle pour laquelle j'ai eu un gros coup de cœur pour cet hiver, c'est les Jewel Candle. Donc en fait, il y en a 3 en édition d'hiver. Donc celle-ci, c'est la Jingle Bell. Il y en a 2 autres, je vous les montre juste là. Elles sont grosses, elles sont lourdes, donc je vous montre comme ça en vidéo, mais elles sont exposées dans ma chambre, je les aime trop. C'est celle qui brûle en ce moment dans ma chambre. Et ça, soit vous pouvez le prendre pour vous, voilà, pour avoir une super odeur de Noël, avoir un bijou, ou soit vous pouvez l'offrir parce que moi je trouve que c'est l'idée cadeau parfaite. Donc je ferai une vidéo spéciale idée cadeau, mais je commence à en parler maintenant parce que pour moi ça c'est vraiment une super idée, parce que dans chaque bougie il y a un bijou en argent dedans. Donc il faut faire brûler un petit peu la bougie et après récupérer le petit sachet où il y a des bijoux. Je vais vous montrer 2 exemples de bijoux dans les bougies Jewel Candle. Donc voilà, cette vidéo elle est en collaboration avec eux. Je les remercie de m'avoir envoyé 3 bougies. J'aime tellement, franchement j'étais trop heureuse. Donc voilà, je vous montre un exemple des bijoux que vous pouvez avoir dans les bougies. C'est dur à dire, je vous montrerai zoomé. Donc là c'est l'exemple d'un bracelet et là d'un collier. Et en fait sur chaque bijou vous avez un code que vous pouvez rentrer sur le site pour voir la valeur du bijou. J'ai trouvé que c'était une super idée. Et donc moi j'ai testé pour les 2 et il y en a un je crois que c'était 45€ et l'autre 50€. Donc franchement quand on voit le prix des bougies ça vaut le coup, voilà, pour un cadeau 2 en 1. Et je pense que ça peut faire plaisir à beaucoup de gens dans votre famille d'offrir ça. Donc voilà moi les 3 senteurs de l'hiver que j'ai Jingle Bell, j'ai Christmas Bakery et Merry Christmas. Et ma préférée c'est la rose, elle sent vraiment trop trop bon. Voilà, et je vous en parle pas juste comme ça, j'ai 2 bonnes nouvelles. La première c'est que j'ai un code promo pour vous de 15% sur tout le site. Je vous écris le code juste en dessous, il sera répété dans la description de la vidéo avec le lien du site. Et la deuxième nouvelle, encore meilleure, c'est qu'il y a un concours sur mon Instagram qui sort en même temps que cette vidéo où je vous fais gagner une bougie. Donc je suis vraiment super heureuse. Merci à la marque, ça permettra aussi à l'une d'entre vous du coup de tester cette édition de Noël. Ensuite, je vais enchaîner avec mes calendriers de l'Avent. Donc comme l'année dernière, j'en ai 3 ou 4, enfin j'en ai 2 de beauté et 2 de chocolat. Pour l'instant j'en ai qu'un de chocolat mais le deuxième va arriver. Mon premier c'est celui-ci, le Kinder, je me le suis acheté voilà, toute seule chez Carrefour. Dedans il y a des Kinder Surprise, des Chocobons, des Kinder Chocolat, enfin j'adore. Celui-ci je pense que je vais l'apporter au travail, comme ça, ça me motivera à venir travailler le matin, je vais mon petit chocolat qui m'attend sur le bureau. Et j'aime beaucoup, voilà, je trouve, voilà, pas très gros, mais du coup on peut chercher par tous les cases et le thème voilà c'est la gare de Noël, j'ai trouvé que c'était vraiment trop mignon. Et en beauté je reste fidèle à mes 2 préférés que j'avais aussi l'année dernière. Le premier c'est le calendrier de l'Avent The Body Shop, j'avais exactement le même l'année dernière, je suis trop heureuse. Pour moi c'est vraiment le calendrier de l'Avent beauté quoi, il est incroyable, il est immense. Donc ce qui est bien c'est que The Body Shop propose 3 calendriers de l'Avent différents avec 3 gammes de prix, donc voilà en fonction de ce que vous voulez. Celui-ci c'est le ultime, donc il y a 25 cases, ça change les autres calendriers, là on est gâté aussi le jour de Noël. Et comme vous pouvez voir vraiment la taille des cases, et bien on se doute qu'il y a vraiment beaucoup de full size. Donc je vais vous montrer par exemple, j'ouvrirai une case au hasard pour voir un peu le genre de produit qu'il y a dessus, mais je pense que vous avez la liste sur internet. Mais moi je veux pas trop de spoilers, donc attention si vous avez ce calendrier, ne regardez pas tout de suite ce que je vous montre. Donc par exemple dans la case 23... il y a un énorme beurre corporel, donc vraiment ça vaut le coup. Même si ce calendrier de l'Avent bah, il est un peu plus cher que les autres, vous avez largement plus de valeur bah, en produit, c'est un truc de fou. Donc je suis hyper heureuse, je sais pas si j'ouvrirai chaque matin sur Snapchat mes cases du calendrier de l'Avent, parce que j'ai l'impression que toutes les youtubeuses le font et qu'on a souvent toutes les mêmes calendriers, donc ça va peut-être vous ennuyer au bout d'un moment. Mais je vous partagerai mes coups de cœur, mes produits préférés, et peut-être qu'à la fin du calendrier je ferai une grande photo Instagram pour vous montrer un peu tout ce qu'il y avait dedans, et ça pourra voilà, vous donner des idées pour l'année prochaine. En tout cas ce calendrier de l'Avent je l'aime trop, et après je pourrais pas jeter la boîte, elle est tellement belle. J'ai encore celle de l'année dernière, je me dis ça peut toujours servir si je veux en faire un moi-même, à customiser en mettant des petits cadeaux dedans. Donc voilà, je vais
le mettre vraiment en exposition dans ma chambre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre calendrier de l'Avent de l'année, celui que vous vous êtes acheté, celui qu'on vous a offert, si vous en avez de beauté, de chocolat. Maintenant il y en a au thé, il y en a des calendriers de l'Avent pour la bière, donc c'est vraiment large. N'hésitez pas à me dire lequel vous avez ou celui que vous aimeriez avoir. Et mon deuxième de beauté, je suis trop contente, c'est l'Occitane en Provence. Donc là, il y a quand même une grosse histoire. En fait, c'est mes copines du travail qui me l'ont offert pour mon anniversaire. Donc merci à elles, elles connaissent totalement mes goûts. Voilà, je l'avais l'année dernière et c'est vraiment un calendrier de l'Avent qui m'avait beaucoup plu. Avec des super produits Occitane, avec pareil un design magnifique. Et le truc en fait, c'est qu'elles me l'ont acheté et avant de me l'offrir, je l'ai vu en fait sur Octoly. Du coup bah, je l'ai commandé sur Octoly parce que je savais pas qu'elle m'offrait ça. Et du coup je me suis retrouvée avec deux calendriers. Mais j'ai donné celui du site Octoly à ma maman. Et on aura le même. Donc lui c'est celui que mes copines m'ont offert. Et j'ai trop hâte de l'ouvrir aussi. Vraiment les produits L'Occitane j'aime trop. Dans mes souvenirs l'année dernière il y avait pas mal de gel douche, crème pour les mains, crème pour les pieds, des savons. Et je pense que cette année ça va être un peu le même style. Je regarde pas trop pour me spoiler. Donc voilà j'ai trop hâte. Et je vous mets le lien aussi de ce calendrier dans la description de la vidéo. De toute façon tout ce que je peux retrouver je vous le mets. Si vous voulez bah, vous les acheter, les offrir à quelqu'un. Je vais passer à la déco de Noël. Donc pour mon sapin j'ai fait les boutiques hier et aujourd'hui pour trouver des petites choses. Moi le thème cette année c'est vraiment blanc, doré et bois. Donc pour le bois, si vous voulez faire des belles trouvailles, c'est chez Maison du Monde et chez Cocktail Scandinave, c'est là où j'ai trouvé des choses super jolies. Donc chez Maison du Monde, hier je me suis acheté un petit hibou comme ça en bois, il est trop chou. Je vous montrerai de près, je l'ai payé 2€. Donc voilà, je vais le mettre sur mon sapin juste après la vidéo. Toujours chez Maison du Monde, je me suis pris un petit kit de 6 boules. Donc vraiment toutes petites avec dedans des étoiles blanches et dorées. Donc voilà, il y en a 6, je vais les disperser sur mon sapin, je pense que ça va être assez mignon. Et là je crois que c'était à 5,90€ ou presque 6€, donc ça fait presque 1€ la boule quand même. Donc j'ai trouvé que c'était un petit peu cher pour ce que c'était, mais vu que ça allait bien avec mon sapin, bah, je l'ai quand même pris. Et la troisième chose que j'ai acheté chez Maison du Monde, c'est cette petite chose, voilà, Noël, que je vais mettre sur la porte de ma chambre. Pareil, voilà, blanc et doré, je me suis dit c'est le thème, je vais me le prendre. Et c'était à 4,99€, donc voilà 5€, et j'ai trouvé que c'était mignon, ça irait bien dans ma chambre, voilà. Pas besoin d'excuses pour se faire plaisir. Et chez Cocktail Scandinave, je me suis acheté deux petites choses pour le sapin. J'aurais aimé en prendre plus, mais c'était des grosses pièces, même si c'était super joli. Sur un tout petit sapin, ça fait un peu bizarre. Et comme celui qu'on va faire dans le salon, le thème sera pas bois, ben j'ai pas acheté, vu que là-bas il y a beaucoup de bois, ben voilà. Donc le premier que je me suis pris, c'est cette décoration. Donc voilà, c'est un cerf, c'est vraiment super joli. J'adore les détails. Et l'autre, voilà, c'est juste un petit morceau de bois avec un cœur blanc. Et là-bas, c'est vraiment pas cher les décorations. Donc celui-ci en cœur, il était à 50 centimes. Et le cerf, il était à 90 centimes. Donc c'est un peu moins cher que chez Maison du Monde. Et c'est tout aussi joli. Ensuite, je suis passée tout à l'heure chez Undies et j'ai craqué pour ces chaussons. Donc ça fait pas hyper Noël, mais en hiver, voilà, c'est toujours la période où on se prend des petits chaussons tout doux. Et là voilà c'est Marie des Aristochats et je les ai trouvés adorables. Bon ils sont quand même à 14,95€, donc quand même 15€ pour des chaussons. Mais voilà chaque année je me rachète une paire de chaussons et cet hiver ça sera ceci. Ils sont vraiment trop adorables, ils sont encore attachés, encore avec l'étiquette. Je viens à l'instant de rentrer, je viens de les acheter. Ensuite à Noël j'aime bien aussi me racheter des petits produits de beauté, genre soins pour le corps, le gel douche. Et là j'ai jeté mon dévolu sur ces produits que j'ai trouvé sur Octoly de Mugler. C'est un lait pour le corps et un lait de douche à la senteur de leur parfum Aura donc de Thierry Mugler. Et quand j'ai vu ça mais je me suis jetée dessus, j'adore l'odeur de ce parfum que je n'ai pas malheureusement. Mais du coup je me suis dit des petits produits comme ça complémentaires ça peut être vraiment cool. En plus le packaging laissez tomber. Voilà le lait pour le corps, on dirait un flacon de parfum, c'est magnifique. Et ça par exemple ça peut être aussi une bonne idée cadeau. Mais moi je garde pour moi, là c'est obligé. Et donc voilà le lait de douche et le lait pour le corps, ça va faire vraiment classe dans ma douche ça je pense. Voilà comme en hiver il fait froid, il faut beaucoup s'hydrater, mais même en été, hein, moi je m'hydrate toute l'année. Mais voilà toujours se racheter des petits produits comme ça. Et moi j'avais vraiment envie de tester voilà ceux-là. J'ai hâte de voir si l'odeur elle tient longtemps, comme ça pas besoin du parfum. Je me mettrai le lait pour le corps et j'irai travailler comme ça. Et ensuite dernière chose que je voulais vous montrer c'est des mugs. Donc des mugs j'en ai vraiment beaucoup. Tous les hivers déjà j'en rachète un peu sur le thème de Noël et tout, j'adore ça. Et là cette année, regardez sur quoi j'ai craqué. Il est disponible sur le site L'Avant-Gardiste, c'est un petit renne et quand on met du liquide chaud dedans, du thé, du café, son nez devient rouge. C'est pas trop adorable? Et j'en ai deux autres, toujours du même site, il y a une petite licorne. Donc celle-ci je pense que je vais pas boire dedans, je vais la porter au travail, ça serait un peu mon pot à crayon. Je trouve tellement mignon, j'ai envie de le voir tous les jours.
Et le dernier que je trouve aussi trop chou, c'est celui-ci, donc potion magique pour me réveiller. Je trouve, voilà, c'est vraiment trop mignon, comment se motiver le matin, c'est parfait. Et voilà, je vous ai montré toutes mes trouvailles, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos magasins favoris pour faire du shopping de Noël. En ce moment, c'est ça que j'adore, en rentrant du travail, je passe chez les petits magasins, chez Maison du Monde, chez Casa, chez Cocktail Scandinave. Je suis vraiment dans l'ambiance de Noël, donc j'espère encore que cette vidéo vous a plu. Et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de Noël. Gros bisous et à bientôt.